On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle chasse aux amiibo justement. Et on va aller voir s'il y a les amiibo de Ryu, Roy et de notre ami Rob, version bras rouge, hein, voilà. Et donc on espère retrouver tout ça les amis. Et on tourne là maintenant pour aller voir un petit peu dans les magasins. C'est parti. Micromania à faire une petite surprise à mon suche. Enfin pas une surprise parce que c'est que je viens. On va lui faire un petit coucou et après on va aller à Carouf les amiibo, on espère trouver ça. Et voilà mon suche. Et oui, cette, anciennement cette CR Sainte. Et oui, changez de nom. CR Sainte. CR Sainte pas encore. J'espère pas. Oh que... merde. Quelle chuchède. Quelle chuchède. Voilà. Allez vous abonner à sa chaîne. Obligé. Parce qu'en plus là il revient un peu là. Ouais, donc, en ce moment pas trop le temps. Hein. Ça fait bien depuis un mois que je viens de me rendre. Reviens mec, tu es obligé maintenant. Ouais, j'avais dit que je le ferais, je suis obligé là. Mais du coup, tu as vu, on a pas l'air con. Bon, ça va, il y a personne heureusement dans le magasin. Mais non, en fait, j'ai privatisé exprès pour quand tu l'arrives. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, bah, ça fait plaisir les gars de voir le poteau. Et peut-être qu'il a des amiibo pour moi, on va voir. On va voir. Sûrement. On va voir. Qui c'est. Oh, j'en ai pris qu'un seul, hein. Par contre, vous allez voir pourquoi. Parce que les autres, franchement. Le robe avec les couleurs, voilà quoi, pas grand fan. Je vais quand même aller voir à Carrefour un petit peu ce qu'on a et on y va les amis. Deuxième est pour Cédric, le mec il travaille à Micromania, il a même pas eu Roy quoi. Sans déconner, je suis obligé d'aller à Carrefour lui chercher. Juste à côté, ils viennent de les recevoir. Monsieur Amiibo, vous dites ? Mes amiibo, on est de retour à la maison après cette chasse endiablée aux amiibo ou pas et cette vague de Ryu un petit peu sortie de nulle part. Je fais une grosse bise à mon 7CR7, à mon Switch et au poteau de Micromania, vraiment toujours top de passer vous voir les amis. Et du coup, les petites choses sont dans ce sac et vous verrez que j'ai fait le choix de ne pas prendre un amiibo sur les trois. Et oui, c'est un choix, je pense que j'en ai parlé quand même dans le live et vous allez comprendre un petit peu ma position, hein, c'est un coup de gueule, mais bon, vite fait, vite fait. Donc, dans un premier temps, on a dans ce sachet, l'amiibo de l'ami Roy, que voici, que je trouve excellent, Roy de Fire Emblem. J'espère qu'on voit bien avec la caméra, et je suis content d'ajouter à ma collection, celui-là, faut pas le rater non plus, hein, si on aime bien les Fire Emblem. En plus, avec le Fire Emblem Fates qui va sortir, je pense que ça va être bien compatible, ça va être intéressant, même si les collecteurs sont déjà en rupture de stock, enfin un truc de fou, ça va trop vite, et ça, je reproche à Nintendo de pas produire assez de consoles, enfin bref, ça c'est un autre débat, mais en tout cas... Content de rentrer cet amiibo qui est vraiment magnifique et cet amiibo que j'ai pu offrir à mon suche puisque effectivement il est allé à Carrefour 2-3 fois dans la journée, il les a pas vus et moi j'y vais et là j'en vois deux donc je lui ai pris, ça m'a fait plaisir, petit cadeau dédicace et tu auras un peu de moi dans ta collection l'ami, donc voici pour le Roy que j'ajoute fièrement à la collection, regardez-moi ça, c'est pas beau ça, hop là je le pose ici, j'espère qu'il va pas se casser la gueule. Et dans un second temps, dans ce sachet emballé, puisque c'est vrai que quand je passe à Carrefour, ils te remettent un petit sachet par-dessus, hein, pour éviter tous les vols et les machins. Et du coup, là-dedans, alors là, je vais être obligé de faire la dédicace à mon ami Kumi. Et il s'agit de Ryu. Le fameux Ryu qu'on voit ici. Je trouve la figurine magnifique, super bien finie. Alors ça...
Bon, tous les fans de Street Fighter, évidemment, ils doivent se la prendre. Les fans de rétro, enfin, voilà, c'est vraiment une figurine qu'il faut impérativement dans ma collection. Je pouvais pas passer à côté, je l'attendais avec la plus grande impatience. Et je fais une dédicace à Monkumi, je fais une dédicace à Ryu Gaming, Ryu Oshi, enfin voilà, tous ceux qui ont des Ryu en eux, hein, bien entendu. Ça me fait super plaisir. Et donc, ce bel amiibo qu'on peut rentrer avec des détails franchement sympas sur la tenue. Je pense qu'après, c'est pas forcément le plus compliqué à faire, quoique, on a l'espèce de bandeau rouge, hein. Le fameux Hadouken, classique en tout cas, et franchement, ça fait vraiment plaisir de pouvoir le rentrer. Et celui-ci, pareil, on le pose là, hop là, pour la collection. Et comme vous pouvez le constater, mon meuble commence à être vraiment bien complet quand même, hein. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait le choix de ne pas prendre l'amiibo de Rob version Famicom. Vous allez me dire, putain, mais tu fais du rétro, pourquoi tu le prends pas? Eh bien, en fait, c'est simple. Pour moi, c'est un peu du foutage de gueule. C'est le même Rob, exactement le même que celui-ci. La version classique, hein, voilà, la version de chez nous, mais avec les bras en rouge. Et franchement, j'avais autre chose à foutre que de mettre 15 balles pour des bras simplement en rouge. Il y a peut-être des petites différences que j'ai pas bien vues, mais ça m'a pas attiré. Et je crois que je vais pas le rentrer à la collecte celui-là. Je verrai peut-être sur la fin s'il y a des promos dessus. Mais franchement, c'est pas ma priorité aujourd'hui. Je préfère rentrer d'autres amiibo un peu plus rares, tout ça. Mais voilà, je trouve que ça, c'est un peu foutage de gueule de la part de Nintendo de nous proposer un amiibo simplement avec des couleurs différentes. Voilà, moi je... Ouais, ils ont fait ça aussi pour les Yoshi de laine, enfin bon, c'est vrai que je pense qu'ils veulent aussi s'en mettre plein les poches, c'est normal, ça marche bien. Mais là, pour moi, c'était un peu l'amiibo de trop, donc je suis content de garder mon petit robe version pâle, et je vais rester en version pâle, voilà pour le coup. Je vais d'ailleurs vous faire bientôt, on me la demande tout le temps, la vidéo sur les amiibo, où j'en suis, ma collection d'amiibo. Aujourd'hui, la dernière que j'avais faite, c'était il y a quelques mois quand même en arrière, et on me la demande régulièrement. Et là, ça va arriver bientôt, je sais pas quand, mais c'est dans les petits papiers, voilà, je vous le dis. En tout cas, les amiibo, j'espère vraiment vraiment que cette chasse vous aura plu, que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Toujours les chasses, vraiment, ça fait super plaisir de vous les faire, même si maintenant c'est vrai qu'on les trouve de plus en plus facilement. Quoique, pour Roy et Ryu, je sais pas encore, j'ai pas trop vu la tendance, hein, qui sait, c'est peut-être un peu plus difficile, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a fait kiffer les amiibo. Et c'est vrai que le pouce bleu permet toujours d'encourager à continuer ces concepts, les vidéos, les amiibo, et toujours, bien entendu, à encourager un youtubeur que nous sommes, ça fait plaisir. Également, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux, les lives Twitch, la page Facebook qui compte déjà plus de 1000 abonnés, merci beaucoup, et puis sur Snapchat à m'ajouter Concurax, bien entendu si vous le souhaitez, et enfin, je dirais de vous abonner à la deuxième chaîne Hey Listen de Navy, puisqu'on vous pouvez écouter de la bonne petite musique, et qui sait, il y aura bientôt de la musique de Street Fighter, je n'en dis pas plus, et je vais bientôt faire une vidéo dessus. En tout cas, je vous fais une très 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 grosse bise, et je vous dis à la prochaine les amiibo, passez une bonne soirée, jouez bien, bye.